on ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.